Ben, j'étais pas toute neuve. Alors les grues, je ne sais pas en quelle année ont été montées les grues, je pense que c'était par la maison Paris, mais il y avait des travaux à faire et de l'entretien à faire. Et des fois, bon, l'électrofrein à régler, mais ce système de contacteur en cuivre qui existait à cette époque, il arrivait où ça se colle à un arc et on avait des surprises, hein, où ça descendait tout seul, où il continuait de rouler tout seul. J'ai une anecdote où un contacteur s'est bloqué avec un arc électrique et mon Titan continuait à avancer dangereusement vers la Loire. Et ça, j'ai eu peur, j'ai eu le réflexe de fermer le général derrière, l'alimentation, autrement, il aurait eu des conséquences très graves. Donc, il y avait donc deux grues, et sur les deux grutiers, il y en avait un qui achetait le journal. Et quand un avait fini de lire son journal, on mettait les deux flèches bout à bout, et après on montait sur les passerelles, sur la flèche, on allait un bout de passerelle, et on se passait le journal l'un à l'autre. Il y avait à peu près 50 cm entre les deux flèches. Et après, l'autre, il avait son journal dès qu'il avait un petit trou, parce qu'on n'était pas à 100% du travail, parce qu'il fallait attendre que les gars élinguent, ramener une autre pièce, par exemple. Et pendant ce temps-là, on avait le temps de regarder les petites annonces de ce qui nous intéressait, ce journal, hein, de la politique. Hein.